Hey yo petit pote, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Summoner Wars les petits gars, pour un tuto GB10, parce que oui les petits potes, hein, pour faire le GB12 il faut d'abord faire le GB10, je vais fermer cette petite bouteille là, faut faire le GB10, et pour faire le GB10, vous avez pas envie de farmer des fusions? Non, ça vous avez pas envie, c'est beaucoup trop long les petits potes les fusions, beaucoup trop long, nous on veut direct taper du géant, on veut direct taper du géant, vous inquiétez pas les petits potes, j'ai la solution. Par contre, il va falloir mettre un petit peu la main à la patte sur les SD. Malheureusement, ça, je peux pas vous y faire. La petite Lorraine va falloir la faire en SD. Et la Fran va falloir la récupérer avec les pierres antiques. Mais vous l'aurez assez facilement, les petits potes, la Fran. Parce qu'avec les quêtes de... Et pourquoi moi, c'est plus vert ce truc-là? Oh, tant pis. Avec les quêtes, les petits potes de... Avec les quêtes que vous allez faire, ben vous allez récupérer des pièces antiques et vous allez pouvoir faire votre frane. Donc pas de problème pour la frane. Après, vous la skill up à fond les petits potes avec des petites fées. La Lorraine, elle a pris aucun skill up, je vous le dis. Et ça passe tranquillou. Regardez-moi ça. C'est passé en 2 minutes 15. Vous allez dire, ah ouais, c'est un petit peu long. Eh hey, frérot, c'est ton premier GB10. Donc, c'est pas si long que ça. C'est pas si long que ça. Donc c'est parfait. Je vais vous montrer tout de suite la team avec quoi j'y vais. Je vous montrerai une première team, donc sans fusion, et une deuxième team avec fusion qui ira un petit peu plus vite, qui sera aussi un peu plus safe les petits potes. Donc le Vigor, on n'y touche pas, on va pas sur lui, on va pas du tout sur lui, on va aller plutôt comme ça. C'est la Lapis les petits potes, c'est votre pilier Lapis, c'est celle qui va vraiment tanker tout. C'est elle qui fait les dégâts, elle fait beaucoup de choses, elle fait un petit peu aussi de contrôle d'ATB. Donc et les petits potes, montez là. En plus, ça vous fait un très bon farmer. Très facile à ruiner les petits potes parce que tout simplement les runes que j'ai ici, je les ai chopées dans les récompenses de scénario. Donc Vampire Revenge, c'est le top les petits potes. C'est le top parce que elle va taper, elle va se régène. Et on la tape, elle retape, elle se régène. Vous avez compris le système les petits potes. Et du coup, ben, elle est plutôt correcte. Hein, regardez-moi ça. Elle a un peu de points de vie, un petit peu d'attaque. Même assez, un petit peu beaucoup d'attaque. Tranquillou les petits potes. Elle a du dégâts crit à 70% de taux critique. On peut pas trop lui en demander non plus. On peut pas trop lui en demander non plus. Niveau compétences, même pas amélioré. Hein, même pas de skill up. Hein. Mais de toute façon, elle en a pas besoin. Franchement, elle n'a vraiment pas besoin. N'allez pas mettre des skill up là-dedans. Et bien sûr, en artefact blanc monté au maximum. Donc plus 15 des petits potes DPV. On s'en fout des upstats, si on a des bons, tant mieux. Si on n'a pas des bons, tant pis, c'est pas grave. Donc, point de vie, 1500. Et ici, point de vie, 1500, les petits potes, tout simplement. Ensuite, en deuxième personnage, qui est très dégueulasse chez moi, je tiens à le préciser, très, 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 très dégueulasse chez moi, le petit Rock, qui est super bien. Il va emmener des alliés avec lui, il va tabasser, et qui dit tabasser, d'y aller plus vite, les petits potes, tout simplement. En plus, il a un petit break def, hein, donc. Les petits potes, utilisez-le. En plus, il est feu, donc il va se prendre une raptabaptou. Je tiens à dire que même s'il n'est pas double awake, ça marche. Même s'il n'est pas double awake, ça marche. Vous allez, bah, je peux pas vous le montrer, mais ça a marché parce que je l'utilisais déjà avant. Donc, je vous le dis, ça marche. Et c'est même pas lui qui va faire le plus de dégâts. Lui, c'est juste à ramener un allié avec lui. Donc là, il en ramène deux. C'est juste pour, ça accélère le temps, mais ça ne va pas carrer la game, tu vois. Donc s'il n'est pas au double awake, ça marche quand même, les potes. Mais double awake, bien sûr, ça marche beaucoup mieux. On est bien d'accord, on est bien d'accord. Je lui ai mis des petites runes attaque. Hein. Donc, attaque, attaque, attaque. Dégâts crit, même. J'ai même mis un dégâts crit alors que j'ai même pas le pourcentage de dégâts crit au maximum. Mais bien sûr, il est en phase. Il est en phase de connaître un meilleur runage, les petits potes. Je vous le dis, je suis en train de m'en occuper. Je suis en train de m'en occuper, il a un petit peu de vitesse. On aimerait un petit peu plus, mais bon, c'est pas grave, on peut lui laisser ça. On le pardonne, enfin, on me pardonne plutôt. Je vais l'améliorer, ne vous inquiétez pas. Et ensuite, les petits potes, ensuite, j'ai ma petite Lorraine. Ma petite Lorraine, elle, les petits potes, il lui faut un max de PV. Un max de PV, parce que c'est un monstre attaque, mais il lui faut un max de PV parce qu'on veut pas qu'elle attaque. On ne veut pas qu'elle attaque, on veut qu'elle contrôle l'ATB, les petits potes. Donc, il nous met pas une raptabaptou comme ça. Drah, mon pote, si tu mets ça, t'es mort. Je te dirais que ta team, elle est clean direct. Donc, on veut du contrôle, on veut du contrôle, on veut qu'elle contrôle à max, en tout cas avec cette team là. Parce qu'après, je vais vous montrer une autre team où on aimerait bien qu'il joue, tu vois. Donc là, il y a la petite Lorraine, vraiment bien sympathique. Hein. Donc, comme d'habitude, hein. Oh, j'ai même pas mis d'artefact. Oh, c'est peut-être pour ça qu'elle crève. Donc, je vais lui mettre un artefact point de vie aussi si j'en ai un. J'en ai peut-être un sous le coude, les petits potes. Un petit artefact sous le coude. Donc, ça, c'est pas le bon. C'est ici. Et c'est un PV. Bah, nickel. Bah, nickel. On va lui mettre ça. Bah, voilà. Voilà. On pourrait l'améliorer, mais je vais pas le faire là pendant le tuto. Je le ferai en off, mais je vais l'améliorer plus 15.
On a la... je ne vous ai pas montré ses stats, donc elle a des points de vie. Bien sûr, j'essaie d'améliorer un maximum. Oh, je lui ai mis même une attaque pour 100. Pourquoi pas? Mettez ce temps si vous en avez envie. Elle a combien? 44, ouais. On aimerait bien plutôt un 160, un truc comme ça de vitesse max au total. Je pense que c'est le meilleur. Voilà. Voilà pour la Lorraine. Ensuite, on a. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Ah voilà, ça c'est de la musique que j'aime moi. C'est qui ça me mit là d'un coup là. On a la petite Fran, les petits potes. La petite Fran qui est vraiment juste exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. C'est le meilleur heal du jeu pour moi que tu peux obtenir au début. C'est le meilleur des meilleurs, les petits potes. Si vous l'avez pas, prenez les trois petits trucs de merde là qui soignent là. Les trucs bleus, je sais plus comment ça s'appelle. En tout cas, la Fran, elle est vraiment exceptionnelle, les petits potes. Si moi je cherche ton GB10 en tant que noob, vous allez y arriver. La Fran, elle est en full point de vie avec une rune d'attaque hein, qui est ici. Elle est en full point de vie. Elle a pas d'attaque, elle est en full point de vie, mais je crois que c'est son artefact et attaque. Voilà. Elle a un artefact attaque, un artefact point de vie. Sinon, tout le reste, hein, bah, ça on s'en fout. Hein, vous connaissez ses stats, mais ça, c'est du point de vie. C'est même pas amélioré au max. Hein, et ça passe quand même. Mais pour plus de safe, hein, les petits potes. Ah mais montez les plus 15, les ruines bien sûr. Faites ce que je dis et ne faites pas ce que je fais. Voilà les petits potes. Mais ça passe, ça, moi ça passe, donc vous ça passera aussi les petits potes. Et en plus elle est jouable partout, vous la jouez partout les petits potes. Vous la jouez dans les donjons de Kairos, vous pouvez la jouer dans les scénarios si vous en avez envie hein, pour le finir les petits potes. Vous pouvez le jouer en toa, donc en tour quoi, vous connaissez les petits potes. En arène tu la joues. En GVG, tu le joues partout les petits potes parce que c'est le meilleur mob de heal du jeu au début, hein, je pense. Personnellement, pour moi, elle met une immunité, elle met un buff attaque, elle contrôle la TB. Et tu veux quoi de plus? Et elle soigne. C'est le meilleur mob du jeu. Sinon, et on a fait tout sauf la petite dernière qui est ici, la petite Shannon. Plus 30, 35, et je vais pas respecter, c'est pas grave, elle passe quand même. Ce set de runes, c'est un set de runes énergie qu'on obtient aussi dans le scénario, je tiens à le préciser. Parce que, ben voilà, du coup, elle a pas d'artefact, mais c'est pas grave, parce que tout simplement, elle tank déjà bien, bien assez. Elle a presque 20 000 HP, et oh, tu vas te calmer, jeune homme, parce que ça marche, elle a pas beaucoup de vitesse. De toute façon, mes mobs n'ont pas beaucoup de vitesse tous, hein. Je leur ai vraiment chié dessus niveau vitesse. Donc, vous pouvez le voir, regardez, elle a plus 11, elle est à plus 44. J'ai un Lucian que j'utilise pas. Waouh, on va enlever ça. Quelle horreur. Et voilà. Je vais vous montrer que ça passe avec cette team-là. Je vais montrer ces runes, en fait, à la Lorraine. C'est des runes Swift hein, que tu obtiens en farmant un petit peu. Toutes les runes qui sont ici, les petits potes. Hein. Pas tous, que j'en ai changé quelques-unes. Mais ça passait déjà avant. Vous pouvez les farmer dans le scénario. Vous cherchez des runes Swift ou des runes énergie 5 étoiles dans le scénario que vous farmez. Et après, vous les mettez sur vos mobs. Vous essayerez de chercher des runes points de vie pour 100 les potes. Et alors, ce sera nickel, ça passera tout seul. Avec les runes du scénario, 5 étoiles, ça passera clairement assez. Après, vous farmerez les artefacts, premier étage, à fond, histoire d'avoir des points de vie sur tous vos personnages. Et ça passera clean. Je vais vous montrer ça. C'est parti. On va se balancer ça, les petits potes. On va se lancer ça et vous allez voir que ça passe tout seul. Bien sûr, je m'inspire de tous les autres youtubeurs comme Mana, Mr. Wendy. Je regarde pas les autres, mais Mana et Mr. Wendy, je crois que c'est Mr. Wendy, ouais. Je m'inspire beaucoup d'eux, les petits potes, je vous avoue. Rien que sur les tutos et tout ça, genre, j'ai regardé toutes leurs vidéos. Ah oui, je vous ai pas dit, mais c'est de l'auto, hein, c'est de l'auto, hein, c'est pas du manuel. Et manuel, on n'aime pas farmer. On est des feignants, on est des feignasses, les petits potes. C'est de l'auto, du full auto. Comme dirait Mana, plus tu parles, moins tu farmes, bah là, je parle et je farme, les petits potes. Donc, nickel. Je monte par là, parce que justement, mon écran est là. Sauf que normalement, je devrais faire comme ça, tu vois. Mais bah, ça marche pas. Et vous avez vu, les petits potes, ça passe tout seul. Je perds personne, à part ma petite Lorraine qui va se faire tèche normalement. Ah bah non, du coup, non, parce que du coup, il a pris le focus de ma lapis. Et ma Lorraine, vous avez vu, elle prend vraiment la rapta. Mais ça passe tout seul. Et vous allez pas me dire que là, je vais perdre. Vous allez pas me dire ça. En plus, je vous le dis, cette team-là, elle passe à 90%. Je dirais 90% parce que. Je pense que si tu prends une grosse bastos et que la Shannon ne met pas son glance, tu peux perdre. Mais franchement, à mon stade, je fais du 100%. Mais à votre stade, je pense que vous allez faire du 90-80% de taux de win rate. Maintenant, je vais vous montrer la team Espot avec Fusion. Et du coup, la Fusion Véromos. Et je vais vous montrer pourquoi Véromos est important dans ce donjon. Et pourquoi
il faut l'avoir. Ici les petits potes, mon Véromos, je l'ai passé 40 bien sûr, hein. Full point de vie avec un petit peu de vitesse, donc lui il a la vitesse nécessaire déjà. Et les runes qu'il a obtenues, c'est tout simplement les runes violentes que vous allez obtenir en faisant la fusion Véromos les petits potes. Et ces runes sont juste, bah elles sont excellentes, c'est des runes violentes. Qu'est-ce que tu veux de plus? En plus j'en ai encore en stock, hein. J'ai encore quelques runes en stock, mais ça c'est parce que je vais farmer mon Dragon B10 que je gère. Je vous ferai aussi un tuto les petits potes sur Dragon B10. Dites-moi en commentaire si vous voulez aussi un tuto sur Dragon B10. Merde les petits potes, voilà. Donc c'est du PV pas maxé, hein. Attaque pas maxé, vitesse pas maxé. J'ai beaucoup de trucs pas maxé, j'ai même une rune pas montée. Et ça passe tranquillou, le petit pote, ça passe tranquillou. Donc j'ai encore des runes à monter, mais pour montrer un petit peu les runes que j'ai sur mon Véromos. Donc c'est du full point de vie, hein. Avec du vitesse. Et ici on a du full point de vie, mais ça c'est la base, les petits potes, je vous l'ai dit, les runes, les artefacts blancs, ça va vous carry toute la game, les petits potes. Donc mettez-les, montez-les plus 15 et ça passera nickel. Voilà pour le Véromos. Je crois que j'ai enlevé Shannon. Ah non, 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 je sais qui j'ai enlevé, les petits potes. On remet Shannon, elle est où là, Shannon? Elle est là, voilà. J'ai enlevé Malorane pour mettre mon Véromos qui lui va mettre des dots. Et du coup, bon, on a envie qu'il joue. Du coup, c'est parti, on va le lancer et vous allez voir que ça va passer tranquillou. Donc voilà, on est devant le géant, les petits potes. On est devant le géant et là... Là ça m'envoie, là ça va tabasser, ça va tabasser du géant, je vous le dis direct. Ah bah ça met déjà pas de dot. Manque de bol, c'est vraiment pour ça que j'ai pris le Véromos. Boum boum boum, toujours pas de dot. On va peut-être augmenter sa précision au Véromos, je crois. On va peut-être augmenter la précision du Véromos parce que là je sens. Je le sens qu'il met pas trop de dot, tu vois. Ah il en met toujours pas d'ailleurs. Il va se prendre juste une rapta. Heureusement il a plus de points de vie que Malorane, donc il va pas clamser. Allez, là, faut mettre des dots, il met pas de dots du tout. Il ne sert à rien du tout. J'aurais dû mettre Marika à la place. Mais bon, c'est ma fusion, donc je vous le montre. Donc là, ah voilà, il met un dot. Normalement, il était déjà censé en mettre 3 là, hein. Et avec un truc vieux, il est censé en remettre encore. Bon, de toute façon, je peux vous le cacher, on va gérer facilement. On va pas perdre, on ne peut pas perdre. Mais j'ai l'impression que c'est quand même plus risqué. J'ai l'impression que c'est un peu plus risqué, parce qu'en plus là, il s'est pris le boost de dégâts. Du coup, il va mettre un petit peu cher. Il y aura quand même un petit contrôle. On va se prendre une rapta. Il met quand même pas de dot. Hein. Il met toujours pas de dot. Ça, il a pas envie. Allez, il met un dot. Voilà, il met un double dot. Et là, ça va être fini normalement. S'il joue le boss, c'est fini. Mais il joue pas. Du coup, il meurt. Bon, là, c'est un run qui est un petit peu foiré parce qu'il a pas mis beaucoup de dot. Il a pas beaucoup de proc non plus. On a fait 3 minutes 2, donc c'est encore plus lent qu'avant. Du coup, bah, les petits potes, je tiens à dire que la team que j'ai mis avant avec ma petite Lorraine, et bah, ça allait plus vite. Ça allait plus vite les petits potes, j'ai l'impression que ça allait beaucoup plus vite. Donc, team free to play, no fusion, best team les petits potes, best team. Et j'ai l'impression que c'est encore mieux que ce que je pensais. Hein. Voilà les petits potes, sur ce petit tuto, hein, pas trop long, parce que bah, c'est un tuto, vous allez pas rester 10 ans dessus, vous allez dire, ah putain, il est chiant lui à parler longtemps là, il me rend fou, bah ouais, il te rend fou. Allez, sur ce, moi je vous laisse les petits potes, ça me ferait vraiment plaisir de vous abonner, allez, ciao. Moi je vous laisse. Pof. Dans ma team, n'est juste Alraki, Ginny Trax, je vous mets la max, j'ai tous les passes, Golden, je vous massacre, sans peine, soit je gagne, soit je perds, mais si je perds, c'est que t'as gagné. Je passe les gens, je viendrai la légende. Si je faut ken des gens, je le ferai largement. Pas sentiment, j'arrive gentiment. Faut que je les ken, tape dead. Avant que je sorte des raids, c'est la folie, je suis pas ami.